Salut tout le monde, c'est Xuki, on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck et aujourd'hui on va s'occuper du deck, le héros masqué. C'est juste que j'avais copié la recette et c'était marqué le héros masqué. Mais, enfin bon, moi je l'aurais appelé héros masqué, mais ça on s'en fiche. Donc le deck héros masqué, un deck très très fort qui vous permettra de win dans de nombreuses situations. Attends, je vais vérifier. Oui, c'est bon, mon extra deck est bon. J'ai eu un doute. Même s'il y a 12 cartes, c'est normal, c'est normal. Vous inquiétez pas. Ce deck qui utilise les héros élémentaires. Je sais qu'on me demande souvent de faire des decks héros élémentaires dans tous mes let's play. Même si c'est un archétype que j'aime que dans l'archétype héros masqué, puisque je la trouve pas... Bah, il est fun. Voilà, on le fait une ou deux fois, c'est bien. Mais après, voilà, c'est pas un deck hyper fort, donc je parle du deck héros élémentaire. Après, c'est sûr que les decks héros, généralement, ils sont pas super forts. Héros de la destinée, c'est pas très fort. Peut-être qu'avec les prochains supports qui vont arriver dans le TCG, ça va être mieux, mais actuellement, ce n'est pas fort. Héros du mal, il n'y a pas assez de cartes. Ça peut être bien, des fois, mais ce n'est pas super fort. Ce n'est pas compétitif, alors que les héros masqués, ça c'est compétitif, ça c'est très très fort. Donc bon, hein, pourquoi aller jouer du héros élémentaire quand on a un deck qui joue héros élémentaire et héros masqué et qui est très fort, hein. Donc voilà, donc j'avais déjà présenté ce deck pour Millennium Duel, je fais une petite update pour Legacy of the Duel. Donc on va commencer avec deux Ice Edge, 3 Brumes de l'Ombre, le monstre de ce deck. Un Bubble Man, 2 Chaleurs, 2 Cœur Farouche, 3 Goblin Berg qui permettra de comboter avec Brume de l'Ombre. Noueux, c'est toujours bien pour faire des invocations de nos monstres héros masqués terre. On a Nouveau Néos, Océan, enfin 2 Nouveaux Néos, 3 Océans. Et ensuite on va passer aux magies avec bien sûr 3 changements de masque, hein, la meilleure carte. 3 changements de masque 2. Comme ça, on peut faire beaucoup plus de changements de masque. De chargement de masque. Je vais essayer de récupérer les cartes. Fusion miraculeuse. Hein, pour invoquer nos monstres héros élémentaires cette fois-ci. De polymérisation. Un Regeki. Bien sûr, la base. De renfort de l'armée. Ça aussi, c'est basique. Deux typhons d'espace mystique. 3 appels de l'étranté. Une force de miroir. Et une trappe sans fond. On va aller dans le 1 joueur, campagne, Yu-Gi-Oh! GX, et qui on peut affronter avec ce deck. J'ai bien envie d'affronter... on peut pas affronter Aster, il n'y a pas Aster. Aster Phoenix, voilà, hop, la nouvelle race de héros. Et bien justement, cette nouvelle race sera les héros masqués, lumière nordique. Les monstres nordiques sur le terrain ne peuvent pas être... Merci. Le jeu m'a dit arrête de lire, tu dois aller faire un petit duel. Donc bon, hein, voilà, arrête de lire. Alors contre Edo Phoenix, pour ceux qui regardent l'anime en japonais, il s'appelle Edo. Hein. Donc on a des polymérisations, on a force de miroir, on a brume de l'ombre, terraformation, ok. Charité gracieuse, bon une carte interdite mais tout va bien. Terraformation. Ok, prison de la tour de l'horloge. Prison de la tour de l'horloge. Face cachée, face cachée. Ok. Va-t-on piocher? Oh, un petit changement de masque. Un petit changement de masque. Alors. Je pense invoquer ça. Je pense invoquer. Alors. Brume de l'ombre. Quoique. Activer l'effet de la carte. Alors, attendez, j'ai un truc dans l'œil déjà. Non, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais directement... Là, ce que je peux faire, c'est soit invoquer Diane. Non, je peux plus invoquer, puisque j'ai invoqué mince. Oui. Je peux invoquer soit Hanki. Soit Hanki, en fait. Je peux juste invoquer Hanki. Bon, on va faire ça, hein. De toute façon, on peut pas faire polymérisation. Je suis bête. Que des monstres qui s'invoquent par changement de masque. Hop, on va mettre un Hanki.
Ensuite, on active l'effet de brume de l'ombre. Il va nous permettre d'invoquer... je vais invoquer Ice Edge. Ice Edge. Non, c'est dans ma main. Je confonds avec l'effet d'Anki. Désolé, désolé. J'ai fait... Je suis con. Je suis con. Mais de toute façon... Non, je croyais l'invoquer. Mais non. De toute façon, ça ne change rien à ma stratégie. Hop. Et hop. Les deux là pour invoquer zéro absolu. En mode attaque. On invoque un mode attaque. Voilà. Zéro absolu héros élémentaire. Voilà pour ceux qui veulent des héros élémentaires. Alors, battle phase. On va attaquer avec le... Non. Ah. On va attaquer avec... Non. Oh, on va détruire ton monstre. Voilà, seigneur de la damnation. On va activer l'effet de Anki. Oh, signal de la destinée. Très bien. Il va invoquer un monstre héros de la destinée. Dandy au diamant. Très bien. Et Anki va me permettre de prendre changement de masque. Oui, c'est... Encore une fois, je confonds l'effet d'Anki. Ça fait un moment que j'ai pas joué le deck. Non, je n'active rien d'autre. Et on va end the phase. Oui, j'ai confondu... je sais plus comment ça s'appelle. Bon, il s'appelle le monstre héros masqué terre. J'ai confondu avec l'effet d'Anki. Dandy au diamant. C'est un fonceur, donc tu le mets en dessous de ton deck. Très bien, hein. C'était bien joué de sa part en tout cas. Et tu fonds d'espace mystique, on va détruire ta prison de la tour de l'horloge, parce que ça me fait chier. Si à un moment ça part en couille. Non, arrête. Ah, stop. Les cartes qui arrêtent pas de me harceler. On va mettre un brume de l'ombre. Brume de l'ombre. Et oui, on va activer. Changement de masque, encore une fois sur Brume de l'Ombre. Pour invoquer le deuxième Anki. Anki. Grand frère. Et on va activer l'effet de Brume de l'Ombre pour ajouter... Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut... Allez, tiens, un petit chaleur. Un petit chaleur, c'est bien ça. Ensuite, on va aller en Battle Phase. On va attaquer... Non! Putain! Pourquoi il me pose la question? Non! Je ne veux pas attaquer directement. Bon, du coup, on lui a fait 1400 points en moins, donc c'est un petit peu chiant. Hop, on va reprendre un petit changement de masque. Et on va attaquer avec zéro absolu. Non, je ne veux rien activer. Arrêtez. De phase. Non, rien d'autre à faire. Oui, moi, je n'attaque jamais directement avec Anki. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Hop. Ok, non, on a rien. Ah, arrête. Allez, on va mettre un petit chaleur. Bien sûr, quand je dis arrête, hein, c'est pour les cartes qui veulent tout le temps que j'active leur putain d'effet. Et changement de masque sur chaleur. On va pouvoir invoquer Goka. Je crois que c'est... Ah non, c'est monstre héros dans notre cimetière. Bon, du coup, il est à 2700. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, Battle Phase. On va terminer pile poil 2700 dans ta face Aster. Et voilà, victoire. On a déjà débloqué toutes les cartes d'Aster. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve du coup la prochaine fois, donc dans 2 semaines, pour une prochaine présentation de deck. Ou sinon le reste de la semaine pour mes différents let's play. Et sur ce, je vous dis bye bye tout le monde, à la prochaine. Bye.